premier point. Donc si f de x est égal à 4x carré moins 12x plus 5, et je veux l'ordonnée du point M, M d'abscisse 1/2, je veux son ordonnée, ce point M qui appartient bien sûr à la courbe représentative de la fonction f, cela veut dire par définition que l'ordonnée c'est rien d'autre que f de 1/2. F de 1/2, 4 fois 1/2 au carré, moins 12 fois 1/2, plus 5. On remplace x par 1/2. Alors, les calculs, 4 fois 1/2 au carré, ça fait 1 quart, moins 12/2, plus 5, qui est égal, 4 fois 1 quart, ça fait 4 quarts, 1 entier, moins 12/2, ça fait 6 entiers, plus 5. 1 moins 6 plus 5 égale 0. L'ordonnée YM est donc 0. Pour trouver les antécédents de 5 par f, autrement dit, si je sais que f de x égale 5, il faut trouver ce x. Mais nous savons que f de x en général égale 4x carré moins 12x plus 5. Deux choses, celle-là, égale à la troisième, sont égales entre elles. 4x carré moins 12x plus 5 doit être égal à 5. On soustrait 5 des deux membres. 4x carré moins 12x égale 0. 4x facteur 2, mettez un facteur, 4x, 4x, ça fait 4x facteur de x moins 3. Un produit est nul quand un des facteurs est nul. 4x égale 0 ou x moins 3 égale 0. X égale 0, 0 divisé par 4, ça fait 0, ou x égale 3. Voilà les antécédents de 5 par la fonction f.